Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop et aujourd'hui je joue le Codex Necron qui profite absolument de tous les buffs de Néphiline, de la Data Slate et des coups en points. Ça va être incroyable. C'est une liste d'ailleurs que je vous propose en test puisque je serai au championnat du monde au tournoi solo. Je vais y aller en Necron et pour moi c'est l'occasion de tester les subtilités de la liste et peut-être de l'améliorer. Vous allez découvrir ça, je vous présente immédiatement ce qui se retrouve dans ma composition Necron. Alors évidemment, on va avoir le détachement Supreme Command avec le Roi Silencieux qui sera mon seigneur de guerre. Je lui mets le trait de seigneur de guerre Zvarekan qui va me permettre de jouer un peu mieux avec mes protocoles. Ensuite, on retrouve une patrouille qui devient gratuite grâce au Supreme Command. On y a une barge de commandement avec un trait de seigneur de guerre et une relique. Le relique, c'est la super arme. Le trait de seigneur de guerre, c'est la réduction des damage de 1. On retrouve une troupe, un pack d'immortels équipé en Tesla. Et ensuite, on a deux choix d'élite. On a un pack de destroyer Scorpec. On a un Ktan transcendant qui sera bénéficiaire d'un deuxième pouvoir. Donc il aura deux pouvoirs, il pourra jeter deux pouvoirs de Ktan. Le premier qui consiste à choisir 3 unités à 24 pouces et mettre des 3 mortels. Et le deuxième qui consiste à choisir une unité à 24 pouces et lui mettre 3 mortels flat. Ensuite, on va avoir de l'attaque rapide, un pack d'Ophidien et voilà. Et après, il y a d'autres attaques rapides, mais qui seront dans un second détachement. On retrouve deux volants qui seront deux Doomsites, les Faucheurs. Unité très intéressante que j'ai déjà testée, que j'ai particulièrement appréciée, qui bénéficie du mot-clé corps, donc qui vont être véritablement létales dans l'aura de puissance du Roi Silencieux. Voilà, j'espère qu'ils vont servir sur cette partie. En tout cas, les tests que j'ai menés m'ont amené à réitérer l'exercice avec ces deux avions, donc on verra ce qu'ils donnent dans cette partie. Ensuite, détachement d'attaque rapide avec un Chronomancer tout cul nu, qui donne sa 5 plus invulnérable, 6 choix d'attaque rapide, 3 packs de 3 Tombblades, pareil, à poil, 60 points. Et 3 packs de 3 Scarabées, pareil, tout qu'une nu, pas d'équipement particulier. Ensuite, vous aurez un autre pack de Scorpec. Alors, assez intéressant, je m'arrête 2 secondes là-dessus. À la base, je jouais 2 packs de 5. Suite à des échanges avec des joueurs Necron, j'ai décidé de jouer un pack de 4 et un pack de 6 pour avoir un pack avec la double arme qui fait 3 flats et avoir une unité de trade qui va forcer et taper fort sur les séquences de corps à corps. Je joue aussi dans ma liste 2 petits plasmacides qui n'occupent pas de slot et qui coûtent 15 points, qui permettront de buffer à une phase un pack de Scorpec, leur ajouter plus un force et plus une attaque. Voilà, j'ai fait le tour de cette liste. Au niveau des secondaires, je vais, comme mon adversaire, jouer 3 secondaires de mon codex. Trésor des Éons, ancienne machinerie et code de combat. Donc code de combat, je vais devoir kill des unités avec mes 2 unités nobles, le roi et la barge. Trésor des Éons et ancienne machinerie, bah, ça va consister à contrôler des objectifs dans le No Man's Land ou à faire des actions sur les objectifs du No Man's Land. Donc tout ceci va être très intéressant. Ça va maroufler sec au centre du champ de bataille. Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Sylvain et aujourd'hui je viens affronter Tourop avec mon armée de sœurs de bataille. Donc je suis venu aujourd'hui avec un détachement du Suaire d'Argent. Donc pour rappel, ça me permet de me déplacer, d'avancer et tirer sans malus, que ce soit avec arme normale ou arme lourde. Et j'ai le droit à une relance de touche ou de blesse par unité par phase. Donc je suis venu donc avec un détachement état-major suprême qui est Morvenval. Avec j'ai payé son trait de rage vertueuse qui permet de choisir une unité pour faire full reroll des touches et des blesses. J'ai ensuite, nous avons un bataillon avec Célestine et ses Géminées, une chanoinesse qui a le fanal de la foi pour permettre d'avoir un dé de foi par tour, et un surplis de Saint-Istaela qui lui donne une physiologie transhumaine et un point de vie supplémentaire. Ensuite, en troupe de base, nous avons deux troupes de 5 sœurs de bataille et une troupe de 10 novices. En élite, nous retrouvons notre Dogmata qui peut faire une sorte de pseudo châtiment pendant la litanie. Et ensuite, sacro-sainte, une unité de 5 sacro-saintes. Nous avons en attaque rapide 5 dominions full bolter storm, 5 séraphim full pistolet lance-flamme et 10 zéphirim armés avec leur pennon de zéphirim. Ensuite, nous avons en soutien un castigator et 2 unités de 5 rétributors. Et pour transporter tout ça, un petit rhino. Donc, en secondaire, j'ai pris uniquement un secondaire de sort de bataille, donc celui qui permet de gagner des points en fonction des dés de foi. Ensuite, défendre le sanctuaire, où je choisis un objectif de No Man's Land que je dois défendre pour 3 points à la fin de chaque tour. Et les actions à faire sur les objectifs. Donc soit 5 points si c'est dans le No Man's Land, ou 1 point si c'est dans ma zone.
Présentation du scénario, on va jouer le scénario 12, format Strike Force, renverser leurs icônes, 5 objectifs sur la table. Pour marquer des primaires, il faut contrôler 1, 2 et plus que son adversaire. Pour les 4, 8 et 12 points. Et le secondaire, enfin le primaire bis consiste à poser des bombes. On peut faire une action pour de poser une bombe à la fin d'une phase de mouvement en étant dans le territoire ennemi. Et à la fin de la partie, on marque 4 points de victoire pour chaque bombe qui est encore en place. La particularité, c'est que là, on peut faire aussi une action de désamorçage de bombe avec toujours un petit avantage quand on est objectif sécure. Voilà pour le scénario. Ensuite, au niveau de la table de jeu, vous allez avoir des ruines. Il y en a beaucoup qu'on considère en full occultant. Donc les fenêtres sont fermées à tous les étages, il n'y a pas de ligne de vue. Ensuite, on a des blocs de conteneurs classiques, hein, règles de conteneurs. On retrouve deux ruines, pas de ruines, pardon. On retrouve deux cratères ici et on retrouve deux forêts, les forêts qui mettent un malus à la touche, hein, et pour les quatre décors qui sont là, qui mettent un malus au mouvement. Voilà pour la table de jeu. On joue sur un tapis de la gamme Crank Wargame. Les amis, vous avez les liens d'affiliation dans la description de la vidéo. Les décors nous sont fournis par My Scenari. C'est pareil, vous avez les liens d'affiliation et vous avez un code promo de moins 10%, les amis. Et pour ce qui est des figurines, les belles armées sont fournis aussi grâce à l'excellent code promotionnel de MyHobbyPlace qui donne moins 20% sur tout l'achat de vos figurines. C'est incroyable et c'est encore une fois dans la description. On va passer très rapidement au G de D et surtout au déploiement. Allez, on se retrouve directement après les déploiements. Et c'est donc parti pour la présentation des déploiements. J'ai gagné le D, c'est donc... j'ai laissé Sylvain passer en défenseur, il a choisi son côté et a fait une première pause. Et ensuite, bah, on a enchaîné, hein, comme le veut les règles du jeu. Alors, au niveau du déploiement, Nécron, comme vous voyez ici, j'ai mes deux avions qui sont dans le coin de table, j'ai mon roi qui est ici. J'ai fait le choix de ne pas le mettre là, parce qu'en gros, ça allait un, me bloquer pour ce que je voulais faire, et deux, il a quand même une belle ligne de vue, et il pouvait potentiellement mettre un rhino, et avec son rhino, il a un mouvement d'avant-garde, il peut descendre advance de 6, plus il a un plus 1 l'advance, etc. Donc ça donnait de toute façon le roi assez facilement sur un gros pruneau, sur une grosse salve de fuseurs, donc j'ai décidé de le mettre ici. Voilà, ensuite derrière, sous le décor, on a le pack de 6 Destroyer, on a les immortels, devant on a le chronomancer qui est dans l'aura d'un attention messire, la barge qui est dans l'aura aussi, on a à chaque fois, hein, se sont dispersés, donc à chaque fois il y a 3 scarabs, 3 motos, 3 scarabs, 3 motos, 3 scarabs, 3 motos, vous avez bien compris la manœuvre, hein, c'est d'avoir de la ressource à envoyer sur plusieurs tours sur les objectifs du centre, et ensuite il y a un côté où j'ai mis le Ctan et les destroyers ophidiens, et il y a un autre côté où j'ai mis le pack de 4 destroyers juste ici. Et on a fait globalement le tour pour le déploiement Nécron. On va passer maintenant à la présentation du déploiement des sœurs de bataille. Je suis plus en mode camouflage défense. Donc j'ai mon Rhino ici qui va essayer de faire la manœuvre de prendre cette partie de table là. Dès le début, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Ici, nous avons une troupe de 5 sœurs de bataille qui va rester jusqu'à la fin de la partie sur ce petit objectif. Célestine qui est planquée pour le moment parce que j'attends de voir ce que va faire les Nécrons avec les mouvements pré-game. J'ai pas envie de la mettre en danger dès le départ. Ici, nous avons des Rétributors qui va essayer d'avancer et de tirer sur tout ce qui va s'approcher un peu trop près. En faisant attention aussi aux distances, notamment avec le Ctan qui est un petit peu... infernal. Nous avons notre Morvenval qui est là un peu au milieu de table. C'est pour essayer de cibler toutes ces petites figurines Nécron qui vont s'approcher. Le but c'est d'essayer de faire mal sans trop s'approcher. Ici on a les Zephyrim qui vont essayer de prendre position sur le sanctuaire dès le départ et de le garder au maximum le plus longtemps possible pour engranger le plus de points. Là, nous avons notre Castigator qui est en fond de map, qui va, dès qu'il va avoir une ligne de vue, il va tirer, de toute façon, hein, il n'y a pas de choix. Et, 72 pouces, je peux tirer jusque sur la table à côté, et donc il y a de quoi faire. Voilà. Et les novices qui sont planqués là aussi, qui vont se déplacer tranquillement, en fait. On va essayer de tranquillement se déplacer sur la table, sans se mettre en danger. On va essayer de temporiser au maximum. Et d'ailleurs ici j'ai mes sacro-saintes aussi qui sont un petit peu en bodyguard quand même dans la forêt. Parce que c'est toujours joli des sacro-saintes dans la forêt.
C'est vrai. J'ai d'initiative, j'ai le dé blanc, tu as le dé noir, c'est parti. C'est un 3 pour moi, c'est un 4. C'est donc toi qui va commencer la partie. Avant ça, j'ai un mouvement d'avant-garde. Je l'ai pas précisé, on l'a pas précisé d'ailleurs, hein, mais côté sœur de bataille, tu as choisi le plus 1 en mouvement, plus 1 à l'advance, en rite sacré. Et moi, alors, au niveau des protocoles, je vous rappelle, hein, nouvelle mécanique de la Data Slate, j'ai un protocole qui est actif pour toute la partie. Je choisis le plus 1 en mouvement ou l'action étire. Donc ça, après, je choisis lequel des deux directives au début de mon round de bataille. Mais le plus en mouvement est actif sur toute la partie. Enfin, le plus en mouvement, l'action. Allez, je fais mes mouvements de pré-game et après on attaque directement le tour 1 de Sylvain. Alors au niveau des mouvements pré-game, on a les destroyers qui se sont décalés un peu puisqu'on a bien compris que la manœuvre de Sylvain était de venir les salver, de venir positionner du fuseur ici. J'ai aussi pris soin qu'ils soient obligés de s'exposer avec les rétributeurs qui sont là pour cibler cette unité là. Donc pour la manœuvre ici technique, hein, c'est qu'ils ne puissent pas en fait juste se décaler ici pour tirer sur cette unité là parce qu'il ne sera pas à portée, mais qu'ils soient bien obligés de passer de l'autre côté du décor et donc d'exposer cette unité, donc d'avoir un trade de ressources à gérer. Voilà pour le positionnement de eux. Ensuite, j'ai avancé un petit peu ici, j'ai bougé la barre, j'ai bougé la console de commandement pour anticiper déjà des lignes de vue potentiellement sur cet axe-là et potentiellement sur cet axe-là. Le roi, il a genre dynastique, il n'a pas donc de bonus de cette dynastie custom. Ensuite, les deux avions, j'ai juste fait pivoter celui-ci puisque de façon à ce qu'en plus il puisse faire après un jump ici. Voilà, et après ici, j'ai un petit peu avancé dans la mesure où pour l'instant, il n'y a pas grand-chose ici, donc je suis relativement safe au niveau des lignes de vue. Là, ça s'est collé un petit peu. J'avais 2 pouces à gratter en gros en dehors de ma zone de déploiement. Le Chronomancer, il est dans l'aura d'attention messire de 1, 2 et de 3 unités. Et surtout, il est à portée pour filer la 5+ invulnérable à tout le monde, même à cette figurine là. Donc voilà, c'est comme ça, j'ai de la latitude pour ça. Sylvain, de son côté, a fait un move de pré-game aussi. Il a avancé ce bon vieux Rhino à charger de rétributeur. Et on a fait le tour globalement, on va attaquer le T1. Alors, donc phase de commande du tour 1, on regagne un PC chacun. Je gagne des dés de fois. Donc un des deux fois pour mon début de tour et un des deux fois pour mon trait de seigneur de guerre. Ce sera un joli 6 et un 4. Ensuite, Morvenval va s'auto-buffer pour full relance des touches et des blesses au tir et au corps à corps. Et je vais tenter la litanie de la dogmata sur les sacro-saintes pour le plus une attaque. Ça passe. Bah Nécron, j'ai des protocoles à jouer. Et bah tout simplement, je vais activer mon protocole que j'avais calé, hein. C'est le fait que toute mon armée soit considérée à couvert. Et je vais utiliser cette directive-là, hein. Donc j'aurais pu choisir l'Overwatch à 5+, ou alors le fait de pouvoir préparer ma défense. Mais là, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, je vais mettre tout le monde à couvert. Ça servira pas sur les rétributeurs qui ignorent les covers, mais potentiellement sur les autres tirs, ça peut être utile. Donc évidemment, les agents dynastiques, le roi et le Khtan n'en bénéficient pas. Tout le reste de l'armée en bénéficie. Voilà. Et maintenant, la place est à la phase de mouvement T1 des sœurs de bataille. On se retrouve une fois que c'est fait. Fin de la phase de mouvement du T1 des sœurs de bataille. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc, j'ai déplacé le Castigator pour qu'il soit à vue du roi silencieux afin de lui balancer un bon petit obus. Ensuite, ici, j'ai fait avancer Otto avec son joueur 6, la chalaresse qui a couru à la fée des ronds sur place afin d'utiliser un dé surtout. Ici, j'ai pu faire avancer Otto avec mon deuxième dé de foi qui était un 4, donc les rétributeurs, afin qu'elle soit à mi-portée de fuseur de cette unité. Ça va fuser. J'ai fait avancer les dominions pour qu'elle soit sur l'objectif. Et voilà pour ce quart de table. De l'autre côté de la table, j'ai déplacé les Ephirim afin qu'elles commencent à faire l'action sur l'objectif pour essayer d'avoir 5 points et surtout défendre le sanctuaire. J'ai fait avancer les exornés parangons que j'ai oublié de présenter tout à l'heure, mais qui sont là pour faire la... Et en plus, c'est dommage parce que c'est grâce à elles que je vais gagner la partie. Ah, et qui sont mis à portée de multifuseurs des motos Nécrons qui sont cachés derrière ces jolis petits containers. Voilà, bon, pas grand chose au milieu. Pour l'instant, j'attends. Au milieu, je temporise. Et oui, et aussi ici, elles ont commencé aussi l'action de sol sacré sur cet objectif, cette petite unité d'escouade de 5 sœurs de bataille. Alors, c'est parti pour la phase de tir. On commence par Morvenval qui est limité dans ses lignes de vue et qui va envoyer ses pruneaux dans mes destroyers. J'utilise pas de point de commandement pour leur mettre à -1 la blesse. Ils vont mourir, mais c'est la vie. Donc elle touche à 2, la petite.
Elle est contente. Tu l'avais auto-buffé parce qu'elle est maître de chapitre. Ça marche. Blesse. C'est de l'an du 5 pour moi. Donc tu as blessé à 3 pour les noirs et à 4 pour les bolters lourds. Non, c'est force 6. C'est un Fidelis. Ah, c'est un bolter lourd Fidelis. Ok. Donc sur du 3. Bolter super lourd. Sur du 3, monsieur. Relance. La petite relance de, du valeureux, ça c'est PA-1, ton Volder lourd. C'est PA-1. Donc du coup, comme je suis à couvert, et bah, c'est sur du 3+, il n'y a pas de PA du coup là-dessus. Du coup j'en ai un qui meurt, c'est 2 flats. Et ça c'est PA combien? PA-2. Ok, c'est sur du 4, et c'est combien de flats? D6. Vas-y, un premier D6, savoir si t'en tues un. Oui, t'en tues un. Un deuxième D6, savoir si t'en tues un. Morvenval, elle va tuer 3 destroyers elle toute seule. Voilà, c'est fait. Donc Morvenval, elle a arraché 3 destroyers. T'es content d'avoir positionné tes fuseurs? Ok, et bah du coup, bah, je vais enlever 3 destro, et puis après, on fait la salve de fuse. Ok, et les fuseurs vont activer. Pas de chérubin, du coup. On verra. Non, mais... Ah ouais, c'est après. Ah, ok, ça marche. C'est parti, donc sur du 3. Oui, ça va le faire, je pense. T'as le droit, tu utilises la petite reroll ou pas? Ouais, ça marche. Allez, ça mange pas de pain. Oui, c'est bon. Et maintenant, tu blesses sur du 3 et j'ai pas de sauvegarde. C'est D6 plus 2. Donc, allez, c'est oh, bon. Mince. Il est dead et ça, automatiquement, ça tue mon petit Plasma Sight. Premier sang de la partie. Ça a été très bref. Ça a été très rapide. On continue la salve. Au passage, Sylvain récupère un petit dé de foi et c'est un 5. Un joli 5 qui fait plaisir. Continue la phase de tir et les parangons tirent sur les Tomb Blades. Tu as 6 tirs de fuseur qui sont en noir et 6 tirs de grenade qui sont en blanc. Voilà. Tu as moins 1 la touche parce que je suis une Tomb Blades et je te calme moins 1 la touche naturellement. Vas-y, donc on est sur du 4, monsieur. Ok, donc les fuseurs blessent sur du 3 et ton lance-grenade, c'est force 6 aussi, je crois. Hein. Ouais. Donc sur du 3. Tout blesse sur du 3 maintenant. Une relance. Ouais, la petite relance qui va bien. Ok, ça c'est de la PA. Moins 4. J'ai une save de 4 qui passe à 3 avec le couvert. J'ai pas de sauvegarde là-dessus. Ça fait 4d6. Fais-les une par une. Parce que si tu fais un as, tu peux te rater. 5. Ok, ça en tue une. Ça en tue 2. Ça en tue 3. Et ça en tue 4. Bah, en même temps, il y en a que 3. J'ai tué, retué. Voilà, elles sont vraiment mortes. Donc du coup, il m'arrache aussi les Tomb Blades. Et ensuite, le dernier tir, c'est le Castigator qui va tirer sur le Roi Silencieux. C'est parti, ça fait des 6 tirs, monsieur. Eh ben, on est sur un gros 6 tirs. Sachant que tu tires quand même à travers la forêt, hein, donc tu auras quand même le moins 1 à la touche. Tu passeras d'une CT de 3 à une CT 4, mon bon monsieur. Ça touche sur du 4+. 2. Ok, et tu vas blesser sur du 3. 9, ouais. Oui. Ça blesse à 3+, les deux passent, PA-3, j'ai de l'invu à 4+, de mon côté. J'en rate une, et donc tu vas pouvoir, c'est combien de damage? C'est 3. C'est 3 damage, je vais donc perdre 3 PV sur un menhir, et ce qui nous clôture la phase de tir. Fin de la phase de tir, côté des sœurs de bataille, donc vous avez bien vu, hein, j'ai perdu un pack de destroyer, 3 PV sur un menhir, et un pack de Tomb Blades juste là-bas, et on arrive donc à la fin du tour 1 des sœurs de bataille. Au niveau scoring, tu vas mettre un point, puisque tu as utilisé 2 dés de miracle, donc ça fait plaisir, et ensuite tu as commencé l'action, mais ça tu la scoreras qu'à la phase de commandement, ok, et ensuite... 3 points de secondaire parce que je commence par contre à défendre le sanctuaire. Ça, c'est la fin de la phase de tour. Ok. Donc ça, tu as commencé à défendre le sanctuaire. Donc ce qui fait que tu mets 3 points sur ça, plus 1 point avec tes dés de miracle. Tu mets donc 4 points à la fin de ton premier tour. On est d'accord? On est d'accord. Et on est en attente du tour 1 des Nécrons. C'est parti. Début de tour 1 des Nécrons. Je suis à 4 points de com, je passe à 5. Je suis toujours sous le protocole de couvert, mais qui n'a plus d'utilité maintenant sur le tour 1. Et ensuite, j'ai des aptitudes. Le plus 1 hit avec mon roi silencieux, avec ma barge. Je vous montre immédiatement à qui je donne tout ça. Alors, le roi, plus 1 hit 2 fois sur les 2 avions. Et la barge ici, plus 1 hit sur les motos qui sont juste ici. Le Chronomancer va donner sa 5+ invulnérable aux 3 petits scarabs qui sont juste là. Allez, c'est parti! Allez, phase de mouvement terminée pour les Nécrons. On a à la fin de la phase de mouvement cette unité-là qui va faire son action de machinerie ici. Ça, c'est fait. Ensuite, au début de la phase de mouvement, j'ai utilisé un PC. Je suis donc passé de 5 à 4 points de com.
Et j'ai renvoyé les destroyers ophidiens dans les ombres. Ils reviendront à la prochaine phase de renfort. Voilà pour ça. Ici, donc eux, ceux qui sont sous 5 plus invulnérables, il y en a un qui a posé sa papate. Et après, j'ai fait tirer un petit cordon pour avoir une figurine derrière. Notre ami qui est ici, il est toujours dans l'aura d'attention messire de ces unités-là. Ici, ça n'a pas bougé. Et ensuite, j'ai déporté mes unités ici. Vous voyez qu'il y a un avion qui a disparu parce qu'en fait, pas du tout intéressant de le placer. Donc, du coup, j'ai un avion qui est sorti de la table. L'autre est venu là et globalement je me suis déplacé ici. On va s'occuper de salver ça. Il faut que je la joue finement pour que ça soit une figurine noble qui finisse l'unité, donc soit de elle soit du rhino, mais à voir. Et en tout état de cause, on arrive sur la phase de Khtan. Globalement, j'ai deux pouvoirs. Le premier qui consiste à faire des 3 mortels à 3 unités à 24 pouces. Donc là, bah, j'ai les Zephyrim. C'est les Zephyrim ou c'est les Zephyrim, c'est ça. J'ai les sœurs classiques et le pack de sang de elle. Voilà, j'ai elle. Les sacro-saintes. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que c'est sur du 3+, je mets des 3 blessures mortelles à 3 unités. Donc on commence par les sacro-saintes sur du 3+. Oui, les sacro-saintes prennent des 3 mortelles. Elles en prennent 3. Un PC. Donc Sylvain utilise un stratagème pour avoir un feel no pain sur les blessures mortelles. C'est sur du 4. C'est sur du 4, c'est beau. C'était rondement investi. Donc tu prends 3, j'ai fait 4 avec 3D. Tu prends 3 blessures mortelles là-dedans. Ensuite, sur les petites troupailles ici, sur un 3+, ça passe. Des 3 blessures mortelles, ça fait une blessure mortelle sur les petits objectifs sécures. Et sur les Zephyrim, sur du 3+, ça passe. Et un gros, eh bien, encore 3 blessures mortelles sur les Zephyrim. Ça, c'était propre. Donc le deuxième sort va partir ici puisque le sort c'est l'unité visible la plus proche et donc c'est celle-ci qui est la plus proche. Elles sont de toute façon non, c'est sur un 3+, le sort il passe. Oui, et donc tu prends 3 blessures mortelles, tu as encore 3 lourds feel no pain. Est-ce que tu vas nous faire la même? Non, tu en prends qu'une. Donc du coup ça retue une sacro-sainte, ça fait plaisir. Il a balancé de la mortelle le Khtan, il s'est fait plaisir. Ça commence comme ça avec le Khtan, j'avoue que c'est un peu jouissif parce que j'ai l'habitude de le voir se craquer complet. Et là c'est pas le cas. Donc ça c'est cool. Voilà pour le Khtan et je vais immédiatement passer à ma phase de K'tyr. Alors ici, pour la jouer finement, hein, dans le cadre de la réussite de mon secondaire, qui consiste à tuer une unité avec une unité noble, je vais activer cette unité en premier, et ayant une crainte de salver l'unité d'un coup, ce que je vais faire, c'est qu'il y en a un qui ne va pas tirer. Je vais en faire tirer que deux. Donc ça fait 18 tirs qui vont tirer, ça fait 12 tirs au lieu de 18. Il y en a un qui ne tire pas. Et donc ce que je vais faire, ah bah si, je suis con, lui va tirer sur le rhino, et les deux là vont tirer là-dedans. Voilà. Donc je vais toucher sur du... je vais même en faire tirer 2 sur le rhino et un seul là-dedans. Donc je vais mettre 6 tirs uniquement dans les petites cistas. Donc je vais toucher sur du 2, hein, puisque je vous rappelle, j'avais passé le My Will Be Done. Et après, je vais te blesser sur du 3, c'est de la force 5. Et ben voilà, heureusement que j'en ai pas fait tirer 2. Donc tu as... j'ai pas de PA, tu as 6 save à 3+. T'évites de toutes les faire mourir, s'il te plaît. Ça m'embêterait. Ah, il a essayé de toutes les faire mourir, je l'ai vu, t'as pas tout petit jet pour toutes les faire mourir. Non, donc il y en a 4 qui meurent, donc ça c'est cool. Et après il y a les deux autres tirs, donc il y a 12 tirs qui vont partir dans le rhino. Et j'ai réussi à faire 2 PV sur le rhino, ça fait plaisir, et on continue. Allez, la petite barge qui va envoyer ses pruneaux, elle touche sur du 2, bon voilà, elle s'est gavée, et elle blesse sur du 2. Ok, j'avais oublié qu'il y avait les 6 qui explosaient là-dessus, mais c'est pas grave. Donc tiens, commence par les canons gosses, puisque ça c'est PA-3, donc t'as de la save à 5 dessus. Ok, bah ça tue la dernière petite qui était là, et du coup ça permet de marquer le petit point qui va bien. Voilà pour ça, et ensuite au niveau des tirs, bah, je vais utiliser le châssis qui est là, il va tout mettre dans le rhino, et après le roi, il a un pilier seulement qui est en ligne de vue du rhino, donc on va mettre toutes les armes dans le rhino, on va juste quand même filmer le tir de papa qui est là, pour vous montrer qu'il est quand même pas mal ce châssis. Alors, ici c'est parti, donc c'est sur du 2 full reroll, puisque ça fait plaisir, bam bam bam, et il y a un as ici. Ok, pas mal, Douglas, reroll Douglas. Ok, alors ici, donc ça c'est les gros tirs qui font D3 plus 3, ils passent. J'ai un 6 qui génère 2 touches supplémentaires puisque c'est du Tesla.
Regardez les dés de couleur. Ça, c'est bon. C'est du Tesla, mais c'est du super Tesla. C'est force 7. Donc, on est sur de la l'endurance 7. Là, on est sur du 4+, ici. Il n'y a pas de PA. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4 et 5 qui passent sans PA. Et là, c'est de la force 12. Donc, c'est sur du 3+, ici. Et ça, c'est plutôt propre. Là-dessus, c'est de la PA moins 4. Il faut juste que je confirme. PA moins 4. Et là, il n'y a pas de PA. Ok, ici donc sur la PA, c'est bien de la PA-4, c'est parti, donc ça, tu me l'as fait tomber à PA-3, ça te fait que t'as une save à 6+. S'il y a un 6 qui passe, hop, hop, hop. Ah oui, vas-y. Je vais claquer un PC et utiliser un dé de foi. Ah. Comme ça, ça me fait utiliser un dé de foi d'ailleurs. Yes. Je claque le 5, parce qu'après j'aurai un... Ouais. Je claque le 5. Ouais. En fait, je claque un PC surtout. Ouais. Et j'utilise un dé qui fait que ce 5 devient un 6. Ok. Donc ça passe. Du coup, t'en as 3 plus un des 3. Ça fait 5 damage qui passe là-dessus. Et après, tu as ça en sauvegarde sans PA. Oh, punaise. Ça fait 3 PV en plus. On en avait passé 5. Et 3, ça fait 8. T'avais déjà perdu 2 PV. Je pense que ton rhino est mort. Il est mort. Yes. Est-ce qu'il explose? Ça ferait plaisir. Cassé. Il explose pas. Le rhino est dead. Ok, fin de la phase de tir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mes petits scarabées ici. Je vais les envoyer. Et du coup, mes petites araignées, elles vont pouvoir taper. Il y a 4 taquets par araignée. Et on va taper dans ces petites sœurs. Ça fait 12 taquets. Je rappelle que les 6 blessent automatiquement la cible. Et après, c'est de la force 3 sur de l'an du 3. On est sur du 4. Tac, et ben tiens, tu as 3 sauvegardes sans pénétration d'armure sur du 3+, qui fait plaisir. Oh, j'ai pas... Oh les araignées les plus énervées de la galaxie, triplace à la sauvegarde. On est donc sur 3 petites sœurs qui meurent. La riposte des sœurs. Sur du 4. Ah ouais, c'est des dominions. Ah ouais, elles sont pas ouf au corps à corps. Yes, en du 3. En du 3, sur du 4. 4. Eh bah tiens. Eh bah tiens, 2 save. T'as pas de PA, hein? Non. 2 save à 6. Et bah je perds 2 PV sur un spectre, sur un socle. Fin de la phase de charge, pardon, fin de la phase de corps à corps, de combat, et on passe à la phase de morale. Ici, on a les sacro-saintes qui ont perdu 3 copines, c'est ça? 4. 4. Ok, et donc ça ouais. Utilise un dé de foi? Ouais, j'utilise un 3. Ok. Morale automatique, donc ça c'est fait. Ensuite, ici, t'en as perdu une dans ce pack là. Ouais. C'est bon, t'es safe. Et dans le pack de Zephyrim, t'en as perdu 3. T'as un commandement à combien? À 8? À 9 avec les Zephyrim? Avec la chef. Ok, donc du coup, pas de test de com. Et après, là-bas, t'en as perdu 3. Et t'as un commandement de 8 sur un 6, ça rate. Attention, le suspense. Eh non, c'est bon. Tous les tests de co sont réussis. Et on arrive à la fin de mon tour. Fin de mon tour, côté des Nécrons. Alors, je vais mettre 4 points sur les machines antiques. Puisque j'ai fait l'objectif ici. Je vais mettre 3 points sur le trésor des éons, puisque je tiens 2 objectifs sur les 3. Et je mets 3 points, puisque le noble qui est ici a tué l'unité de rétributeur qui était là. Donc on est bon, et on arrive au tour 2 des sœurs de bataille. Donc phase de commandement tour 2. Donc j'ai gagné 8 points en primaire en ayant 2 objectifs. J'ai gagné 6 points en secondaire au niveau du sol sacré pour avoir fait l'action sur cet objectif-là qui m'a apporté 1 point, sur cet objectif-là qui m'a apporté 5 points. Donc en phase de commandement, nous avons Morvenval qui va encore se buffer elle-même et faire mal à l'adversaire. Au niveau des protocoles côté guerrier Nécron, les côtés Nécron-tir, j'avais initialement sur mon petit calepin inscrit le fait d'ignorer les couverts à mi-portée, et je l'ai échangé du coup grâce à l'aptitude, grâce au trait de seigneur de guerre de mon ami le roi silencieux. Et ce que j'ai fait, c'est que je vais regagner un PV supplémentaire sur mon Living Metal, enfin cette doctrine-là et cette directive-là, donc pour regagner des PV supplémentaires. Et on va laisser maintenant Sylvain attaquer ses moves, on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Fin de phase de mouvement du T2 des sœurs de bataille. Sylvain, dis-nous tout ce qui se prépare du côté de l'Imperium. Alors, l'Imperium va détruire les Xenos. Donc, ici nous avons les deux dominions qui se sont désengagés et Célestine qui est arrivée à leur place afin de pouvoir allumer au lance-flamme les scarabs et ensuite charger les motos si elles survivent.
Entre temps, nous avons les rétributeurs qui ont avancé pour essayer de se mettre un petit peu au centre de table. Ça mange pas de pain, on va essayer d'allumer un peu le Khtan et les araignées impériales. Pardon, excusez-moi. Oh, qu'est-ce que j'ai dit comme hérésie. Pas mal, ok. Et... okay ça... je prends. Ah là là, mince, ça y est, je commence à sombrer. Et nous avons là-bas les Exoranés Parangons qui se sont déplacés afin d'avoir une ligne de vue aussi sur les araignées et sur le Khtan. Morvenval qui essaye aussi d'avoir des lignes de vue sur le vaisseau spatial, on verra bien, sur Star Trek, l'Enterprise, on va le détruire. Voilà, on va bien voir, on va tirer, on va voir et ce qui se passe. Allez, phase de tir. Allez, c'est parti pour la phase de tir, c'est Lestini qui envoie son coup de lance-flamme dans les araignées, ça part sur un D6 touche auto, ça nous en fait 3, c'est de la force 6, tu vas me blesser sur du 2, et attention, et y a tout qui passe, c'est de la PA moins 2, j'ai donc pas de sauvegarde, et c'est un damage, donc tu me tues, y a un socle qui a perdu 2 PV, tu le tues, et après il y en a un autre qui perd 1 PV. La Chanoness juste derrière envoie sa petite salve de bolter, là-dedans, c'est parti, sur du 2, impeccable. Sur du 3. Oui monsieur. Ok, c'est PA. Pas de PA. J'ai donc une save A5 puisque je suis dans un couvert. C'est raté. C'est 2 damage. Non, c'est du bolter. Hein. C'est du bolter. Je perds donc un deuxième PV sur ce petit socle là. Bonne vieille Morven, elle va envoyer sa salve dans l'avion de l'hyperespace. Tu t'étais buffé avec elle. Ouais. Donc t'es en full reroll, c'est ça? C'est ça. Donc tu as le moins 1 la touche, donc t'es sur du 3 plus reroll. C'est bien pratique. Pas tant que ça. Donc ça, c'est les deux gros pruneaux. Non, ça, c'était les petits bolteurs. Et ça, c'est le gros pruneau. Yes, j'ai de l'an du 6. Donc, tes noirs, c'est sur du 4. Et ton blanc, c'est sur du 3. Full reroll. Les blesses aussi. Blesses aussi. Ça, c'est moche. Alors, dis-moi, ça, c'est PA. Moins 1. PA moins 1. Je suis donc sur ma save à 3 qui passe save à 4. Je prends donc 2 PV, ouais. Nous sommes d'accord. Et celle-ci, PA Moins 2. Moins 2, je suis donc sur une save à 5. Allez, on y croit. Oui, c'est savé. J'ai donc perdu 2 PV sur mon bel avion. Toujours en phase de tir des sœurs de bataille, le Castigator, il s'est mis en ligne de vue. Des petites araignées qui sont juste là et il va envoyer les gros pruneaux. Vu que c'est des PV qui ont des socles qui ont 4 PV, c'est plus intéressant d'envoyer les grosses salves qui font du gros damage. D6 tirs, après c'est le D6 qui va avoir donné la séquence. Ok, 3 tirs. C'est parti, tu vas toucher sur du 3, il n'y a pas de malus d'aucune sorte. Ok, il y en a 2 qui touchent et tu vas me blesser sur du 2. Ok, t'as une petite reroll de bless que tu n'as pas utilisée. Effectivement. On l'utilise. Ok, As reroll As, bienvenue dans la famille. Et celle-ci elle passe, c'est PA beaucoup trop. C'est combien de damage? D6. Bah vas-y, D6 damage sur un socle. Vas-tu tuer un socle? Oui. Oui, un socle qui meurt. On active les rétributeurs au centre de table. On a 2 fuseurs qui vont partir dans les Tomb Blaze. Donc c'est des fuseurs qui auront moins 1 à la touche. Et on a 2 fuseurs qui vont partir dans mes petits scarabs. N'oublions pas que eux ils ont la 5 plus invulnérable de mon Chronomancer tout à l'heure. On envoie les 4 pruneaux qui touchent à 4 plus. Et on rappelle que t'es dans l'aura de Morvenval. T'as donc la reroll des As. C'est parti sur du 4 reroll des As. Y'a pas d'As. Ok, tu peux utiliser éventuellement ta reroll. Non, parce que tu vas blesser à 3. Vaut mieux que tu la gardes sur la blesse à 3. Ouais. Donc sur de la blesse à 3, mon bon 3, monsieur. Reroll des 1. Ok, il y a tout qui passe. CP à moins 4. Ouais. CP à moins 4, j'ai donc pas de sauvegarde. Et c'est... fais les 1 par 1. Premier D6. Ok, j'ai une moto qui meurt. Deuxième D6, fais-moi un As. Non, allez, un petit As. Ah, il m'a tué, il m'a salvé les 3 motos dans un coup de fuseur. C'est moche. On a les 2 autres fuseurs qui partaient dans les petits scarabs. On est toujours sur là, on est sur du 3. Il n'y a plus le moins 1 pour le coup. Ok, c'est la fête. Et on est sur du 2. Ok, la reroll. Hop, et donc ça fait 4. Un vu à 5 de mon côté. C'est parti. J'en réussis 2. Et tu vas pouvoir faire ton D6 sur la première. Alors sur la première, tu dois, sur la première, auras D6 plus 2 parce que t'es à courte. Là, c'est sûr. Je pense que t'as 12. Utiliser mon 3. Ok. Ça le tue. D6 plus. Donc 3 plus 2. Donc celui-ci, ça le tue. Et après, t'en as une deuxième. Tu peux faire ton D6. Là, t'as plus le plus 2. Un 2. Et t'as fait un 2. Donc tu m'enlèves 2 PV sur. Je vais les mettre sur ce socle-là. Je vais utiliser mon chérubin. Et ça utilise son chérub. Allez, ça envoie ça renvoie une petite salve dans ce petit scarabouille. Et quand j'ai pas utilisé ma relance. Allez, c'est parti. Si, tu l'as utilisé sur les blesses, non? Ah ok, ah oui c'est Morven, ok. 2
save. Voilà. Pas de save. Ah, deux invus, c'est ça. Deux invus à 5. Ok, j'en reprends une, bah c'est, j'ai 2 PV. Ah si, si tu fais un As, ça rate. Non, tu m'enlèves le deuxième socle. Ok, il me reste quand même un socle dans cette unité qui est juste derrière, qui est tout caché, tout plein. Maintenant, on a nos amis, les parangons qui vont tirer sur le Ctan. Ça envoie du fuseur et c'est parti. On est sur du 3. Il n'y a pas de reroll. J'en fais une quand même parce que c'est ma relance du Ok, suaire. Tu claques ta relance du suaire, elle passe. Ok, et tu me blesses sur du 3. Et j'ai de l'invue à 4. Ok, allez, j'aimerais bien réussir deux invues à 4, ça me ferait bien rire. Non, j'en réussis qu'une. Est-ce que tu vas me faire mes 3 PV? Rien n'est moins sûr. Oui, tu fais 3 PV. Donc tu enlèves 3 PV à ta phase de tir sur le Ctan. Tu ne pourras pas faire plus sur ta phase de tir. Ok, fin de la phase de tir du côté des sœurs de bataille. Donc on a perdu 2 scarabs ici. J'ai perdu un scarab là-bas. Et j'ai perdu 3 motos ici. C'est moche. Tu m'as enlevé aussi 2 PV sur mon châssis ici. Et c'est tout. Et là-dessus aussi tu m'as enlevé un scarabée. Et maintenant la phase de charge, c'est cette bonne vieille sœur qui va aller dans les scarabées juste ici. Pas de doublasse en gros. Ah, il va falloir. Charge à 3. Ah, charge, si, je pense qu'elle passe. On va la mesurer, mais à mon avis, elle passe. Charge à 4, elle passe. Allez, la phase est validée. Du coup, nos petites copines vont mettre leur taquet sur mes scarabs et on va voir si ça les tue. 2, donc c'est bon, ça me tue avec les BM. C'est bon, ça tue les socs. T'as pas besoin de faire taper les petites cousines juste à côté. Ok, tu gagnes en plus un dé de fois. Tu l'as jeté, ça fait un 5. Et on arrive donc à la fin de ton tour. On fait le point niveau scoring. À la fin de ce tour 2, les sœurs de bataille mettent 3 points de sanctuaire puisqu'elles tiennent cet objectif-là. Et en plus de ça, elles mettent 1 point de dé de miracle puisque Sylvain a utilisé 2 dés de miracle sur son tour. Et on passe immédiatement au tour 2 des Nécrons. Tour 2 des Nécrons, je mets 4 points de primaire puisque je me suis fait salver mon pack de moto et je pensais vraiment pas qu'il allait mourir, ben c'est comme ça. Donc que 4 points de primaire et après ben, je vais regagner mes PV avec mon Living Metal, je vais passer mes aptitudes du roi et de la barge et on se retrouve directement après ma phase de mouvement. Ok, fin de phase de mouvement côté Nécron. Alors qu'est-ce que j'ai fait? L'avion qui est ici, c'était celui qui était à côté du roi, qui a le plus un hit, il est venu se poser au milieu. Le petit scarab qui était là, c'était celui qui était derrière, il est venu mettre sa petite papade sur l'objectif, ce qui permettra de mettre des points de secondaire. Ensuite, ici, lui, il a bénéficié d'un plus un à la touche et il est venu se positionner là. Cet avion-là, il est arrivé des FEP et il est venu se positionner là. Sont revenus des FEP aussi, les 3 destroyers ophidiens qui sont venus se positionner là, d'ailleurs en termes de ligne de vue si je suis correct. Le roi s'est avancé pour avoir aussi des lignes de vue sur les rétributoires qui sont au centre de table. Voilà. Ensuite, qu'ai-je fait donc? Ici, j'ai avancé un petit peu eux, j'ai avancé mes 5 camarades qui ont prendre le 5 plus invulnérable du Chronomancer. J'ai fait bouger mon Ctan ici pour qu'il sorte de son aura de la Dogmata qui fait des mortels. Et surtout, ce qui est important, c'est que j'ai regagné un PV grâce au Living Metal. Et j'ai fait avancer mes 2 scarabs pour en fait bloquer, pas me prendre, en fait, pas pouvoir me prendre une charge ici. Ça veut dire qu'avec cette unité-là, il va être obligé d'avancer et de rester à 1 pouce à la fin de sa phase de mouvement. Ce qui va permettre de garder cette unité à distance parce que cette unité-là m'embête un petit peu et j'ai pas trop de quoi la gérer. Voilà, j'ai fait globalement ici tous mes moves et je vais immédiatement faire ma phase de Ctan. Alors, à 24 pouces, l'unité visible la plus proche, c'est celle-ci. Donc sur un 3+, elle prend 3 mortels et sur un gros 6, elle prend D3+3. J'aimerais un beau 6, non c'est un 2, il se passe donc rien. Ensuite cette unité là sur un 1, 2 et 3 elles prennent des 3, donc non elles ne prennent rien. Cette unité là elles sont 4, donc sur un 1, 2, 3, 4 elles prennent des 3 et elles prennent, donc ici ça prend des 3 mortal wounds sur l'objectif et ben ça prend une mortelle. Et cette unité là il me faut tout sauf un 6 pour faire des 3 mortels, donc les Zéphirines maintenant, des 3 mortels, 2 mortels sur les Zéphirines. Donc une mortelle ici et 2 mortels ici et elles n'ont rien pris. Alors ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un point de commandement et je vais ignorer les covers sur Sainte-Célestine et c'est cet avion là qui va commencer, qui va mettre full patate sur cette bonne vieille sainte. 10 tirs de Tesla et 3 gros pruneaux de canon destructeur, c'est parti, c'est sur du 3, full bless sur du 2. Tu vas me faire ces sauvegardes là en premier, s'il te plaît, tu n'as pas de PA. Les Géminales sur du 2, 1 PV, tac. C'est 3. Il y a une morte. Ok.
Un petit PV. Un PV. Ok, et ça, CPA moins 4. Donc ici. Un vu à 4. La première. Un vu à 4 pour D3 plus 3. Donc la deuxième Gemini meurt. Je vais claquer un PC. Ok. Je vais changer ce 3 en 4. Ok, ça marche. Donc un PC pour utiliser. Et ça claque un D3. Hein. Ouais. C'est ça. Ok, donc celle-ci est savée et t'as encore une invue à 4 à faire sur la Gemini. Et ça tombe. Ok, ça roule. L'avion a fait full tir, ça a tué une Gemini, mais c'est cool, ça l'a fait utiliser aussi son point de com pour faire ses petites manœuvres psychédéliques. Si je tue l'autre Gemini, elle est considérée comme une unité, l'autre Gemini ? Non, c'est une unité 3. C'est une unité 3, ok, ça marche. Donc ici, cet avion-là a tiré, je vais faire maintenant tirer le... je vais faire tirer le roi, d'ailleurs, on va faire tirer le roi en premier. Il y a ces deux gros pruneaux qui vont partir dans Morvenval, puisque Morvenval n'est plus dans l'aura d'attention Messire. Et après, il y a tous ces pruneaux qui tirent à 24 pouces qui vont tirer là-dedans. Voilà, c'est parti pour les pruneaux. Alors, les deux gros tirs de menhir dans la Morven, ça touche sur du 2 et full reroll. Et ça blesse sur du 2. Là, il n'y a pas de reroll qui y soit. Il y a un petit as. Vas-y, t'as une invue à 4 pour 5 PV flat. Puisque c'est 6 et que toi, tu les... Ah, non, c'est 3 PV flat. Tu divises par 2. Ouais, c'est 4 plus pour 3 PV. Ok, la bonne vieille Morven prend 3 PV. Je prends. Et ensuite, on a les petits tirs qui vont partir dans les petites rétributeurs. Et on a fait les dés hors champ, le roi il lave les rétributeurs. Bon, il y avait quand même une petite salve de tir assez conséquente, donc rien de choquant jusque là. Ce qui me permet de mettre 3 points, puisque du coup le roi a enlevé une unité, ça fait plaisir. C'est cool parce que ça va me permettre d'utiliser potentiellement lui pour continuer à salver dans la Célestine, parce que le plan c'était potentiellement d'activer les 3 points de destruction avec lui au tir et après charger, mais là je vais pouvoir tirer dans Célestine. Donc papa qui est ici va tirer dans cette bonne vieille sainte. Il y a 3 pruneaux de Gauss Canon et il y a 4 pruneaux de bâton Tesla de l'espace. Je vais toucher sur du 2+ dans la sainte. Et hop, les 6 proc une touche supplémentaire. Donc ça c'est bien, proc 2 touches supplémentaires d'ailleurs ici. Ok, et après c'est sur du 2 puisque ton endurance est de 3. Ok, donc ça ne passe pas, ça ne passe pas. Je rappelle que tu n'as pas de couvert sur cette unité parce que j'ai utilisé mon PC. Ah, c'était un 2, pardon, excuse-moi. Oui, je sais pas pourquoi. Ok, ça c'est PA moins 3. Donc t'as en 4 plus 1 vue pour D3 flat. Et d'ailleurs, tu vas prendre celle-ci en première. Ça c'est PA moins 2 et pour 2 flat. Oui, pour un 10. Oui, vas-y. De toute façon, vas-y. Donc sur du 3 plus, bam, elle est morte. Et donc après, tu peux tout faire sur. Tout faire. Celle-ci c'est sur du 4 et les blancs c'est sur du 3 du coup. Alors, les noirs sont sur du 4 pour D3 flat. Bon, en fait, t'as réussi. Ah, si, celle-ci, t'as réussi les 4 du coup. Ouais. Ok. Ouais. Et ça, c'est pour D3 flat. Je vais les faire une par une, voir si j'utilise une reroll. La première fait 1. La deuxième fait 3. Ça fait 4 PV. Elle a combien ? Elle a 6. Allez, la petite dernière. Une, bah, je vais utiliser un point de com et je vais la relancer. On y croit. Oh là là ! La Sainte Garce qui survit à 1 PV. Quel désespoir. Et cet avion-là qui n'a pas encore tiré, il va faire ses 3 gros pruneaux dans Morven et il va envoyer ses tirs de Tesla sur les 3 petites qui sont juste là-bas. Notre ami l'avion enlève à les petites sœurs qui étaient là et sur Morven, bah, je fais sur 3D, il y a 2 as qui passent à la blesse, donc il n'y en a qu'une qui passe. Et Sylvain utilise un dé deux fois pour passer une 4 plus 1 vœu. Du coup, je ne fais rien à cette bonne vieille Morven. Et ce qui m'amène quasiment à la fin de ma phase de tir, j'ai juste ces 5 petits gars qui vont tirer sur les paragons là. Bon, je vais pas leur faire grand-chose, mais bon, j'ai plus que eux en cible. Et puis on va très rapidement passer à ma phase de corps à corps. Fin de ma phase de tir, du coup, les Tesla ont enlevé un PV sur une armure parangon. Bah, globalement, c'est pas trop mal. Un petit peu dommage là, d'avoir raté cette bonne vieille Germinae, cette bonne vieille Célestine à un PV. Du coup, ça va me permettre, bah, j'ai pas le choix, hein. Ici, je vais charger sur la Sainte. C'est parti. La charge, c'est une charge à 9. Je prends, j'archiprends. Contre-charger. Si tu veux, vas-y, si tu veux contre-charger, fais-toi plaisir. Et c'est parti, la barge est au corps à corps. On y va, 4 attaques qui vont toucher sur... alors, je précise, hein, Sylvain a utilisé un PC pour Overwatch et a utilisé un 6 de dé de fois pour faire 6 touches. Et à la blesse, malheureusement, il n'a rien fait et ça a été sauvegardé. Donc ici, ça touche sur du 2. Il y a tout qui passe et ça blesse sur du 2. Et il n'y a pas tout qui blesse, mais c'est pas grave. Tu es sur ton invu à 4, mon bon monsieur. Combien de dégâts ? 2. De toute façon, il te reste un PV, donc... Ouais, c'est bon, elle meurt. Elle ressuscite.
Ok, sur un de plus. Yes. Oui, Morven meurt et revient. Donc la Morven est revenue, hein, elle revient à la fin de la phase, donc je peux pas pidine pour essayer de la recontacter puisqu'elle revient à la fin. Et ce qui m'amène à la fin de mon tour, je vous fais le débrief et le point scoring. Fin de tour de côté Nécron, ça avance, hein, c'est quand même bien mis sur la gueule là depuis le début de la partie. Ce qui se passe, c'est que j'ai fait l'action des anciennes machineries sur cet objectif-là, donc je mets 4 points. Je tiens cet objectif-là avec le petit scarab et avec cette unité-là, ce qui me permet de mettre 3 points sur le trésor des éons. Le roi a enlevé une unité de rétributeur, il met donc 3 points. Lui a pété la Sainte Célestine au corps à corps, il met donc 4 points. Je mets donc 7 points sur le code de combat. Et point assez important, c'est que je lui ai éteint son primaire ici, ce qui va lui permettre de lui mettre que 4 points et de rattraper potentiellement le retard que j'ai sur ce point de scoring. Voilà pour ça, on en est là et on passe au T3 des sœurs de bataille. Début du tour 3, donc je marque 4 points de primaire. Phase de commandement, Morvenval va se buffer elle-même. Et oui, je suis passé à 4 points de co et Tourop à 5. On se retrouve après les mouvements des sœurs de bataille. Protocole au niveau du début du T3, hein, pour les Nécrons, je passe le plus 1 en force, messieurs, dames, voilà, voilà. Alors, fin de la phase de mouvement, j'ai déplacé un petit peu mon castigator pour qu'il puisse avoir des lignes de vue avec ses bolteurs lourds sur les unités qui sont au milieu de la table. J'ai fait avancer les novices afin de pouvoir s'approcher de l'objectif pour pouvoir essayer, espérer en phase 4 de faire mon action. J'ai déplacé un petit peu Célestine parce qu'elle va essayer de faire aussi des petites blagounettes entre les motos et la barge. Et mes dominions aussi. Là-bas, bloqués, hein, les parangons sont bloqués, donc je les ai mis en ligne de vue des troupes qui sont à l'arrière et du temps. La Dogmata est arrivée au milieu de l'objectif, elle a fait, j'ai claqué un PC pour pouvoir réussir auto-salitani, qui a fait 2 blessures mortelles sur les petits scarabs qui sont devant. Donc voilà, là, et j'ai fait popper aussi mes séraphines à 9 pouces de la barge, et là, elles vont tirer en arrivant pour un PC. 8D6 tirs dans l'avion parce que ça fait lever les yeux. On y va. Et... ça blesse à 5, monsieur. Il y a 8 blesses qui passent. J'ai de la save à 3+, il n'a pas de PA. Je perds un lourd PV, messieurs, dames. Attaque la phase de tir des sœurs de bataille. Il y a pas mal de choses qui vont se passer. Il y a du monde qui est en situation de bagarre. Qu'est-ce qui se passe? On commence par où? On va commencer par les Bolter Storm Dominion, il ne me reste plus qu'un qui vont tirer sur les motos, mais ouais. J'ai claqué 2 PC pour pouvoir faire des mortels sur les 6 à la touche. À la blesse ou à la touche? À la touche. Oh, ça c'est moche. Et okay. J'utilise un 6 pour déjà faire une touche auto. Ok, donc il te reste 3 tirs après? 3 tirs. Ok, 3 tirs et donc t'as moins 1 pour me toucher, donc c'est sur du 4. Donc du coup tu mets 2 mortels parce que t'as utilisé ce 6 là, voilà. Donc ça me tue une moto. Et ça, c'est 2 touches et de la PA? Non, c'est du bolter. Non, je touche maintenant, faut que je blesse. Ah oui, faut que tu blesses, pardon. Oui, c'est vrai. En du 5 sur du 5. 5. Ok. Rien. Ouais. Bon, tu m'as tué une moto. Je vais en enlever une. Petite chanoinesse, elle va utiliser son lance-flamme et toutes ses armes sur le Big Poppy. C'est parti. Le lance-flamme, D6. D6 touche auto. Ça fait 4, c'est propre. Des BM. Oui, des Choco BN. Tu as déjà 3 BM. 3 BM et 2 save. Il y a une PA ou pas? Pas de PA. Ok, 2 save à 3+, c'est savé, donc j'ai pris 3 BM sur ma barge. Bien joué, la chanoinesse. La mère Célestine qui envoie son lance-flamme dans les motos, ça fait des 6 touches, ça en fait 3. C'est de la force 6, force c'est 6, du gros lance-flamme, 6, ouais. Donc c'est sur du 3 à la blesse. Il y en a qu'une qui passe, et c'est PA. Moins 2. J'ai une save à 6, messieurs, dames. Eh ben tiens, trolling. Castigator va envoyer toute sa salve sur la barge de commandement. C'est parti, full patate. Le gros D6. Le gros D6. Allez, le gros D6. 4. 4. Sur du 4. Sur du... ah un autre. Ça. Donc il y en a 3 qui passent. Oui, monsieur. J'ai une relance. 3 qui passent. Ok. C'est sur du 3. Oui. 3 save, PA moins beaucoup. J'ai de l'invu. J'ai de l'invu avec le patron. Hop, un vu à 4, je vois pas le 3ème dé, je sais pas où il est. 1, il est là. 6.
Ok, vas-y, t'en as une qui passe. C'est combien? C'est 3 flats, je crois. C'est 3 flats. 3 flats, donc ça fait 2 flats. Il avait déjà perdu 3 PV, tu lui as enlevé son dé de PV, mais du coup, il lui reste, il a perdu 5 PV au total, l'animal. Et t'as les bolters lourds. Les bolters lourds, 9 tirs. 3 save. 3 save. Et PA-1, donc je suis sur du 4. Et j'en rate une, tu me refais perdre 1 PV, parce que j'ai réduit les dégâts de 1. Donc j'ai perdu 6 PV, il lui en reste 3. C'est showtime. La Morven qui se déclenche, elle envoie ses lance-missiles sur la barge et elle envoie ses autres tirs, là, son super bolter, sur les petits scarabs. On commence par quoi? Je commence par le lance-missile. Allez, lance-missile. Sur du 2. Sur du 2, full relance. C'est cadeau à se re-relance ou pas? Non. Non. Force 8 en du 6 sur du 3+. Hop, full relance, pas nécessaire. Pas nécessaire. Et pour ma part, c'est sur de la 4+, invue. Je vais utiliser un point de com et je vais te relancer celle-ci. Eh non, c'est dommage. Et c'est combien? C'est D6? Vas-y, envoie ton D6. Non. Ok, le dé de dégâts de Morvenval sur la barge. C'est parti, D6 damage. Eh ben, ça fait 3 damage, il me restait 3 PV. Moins 2, il me reste 1 PV sur ma barge. Ensuite, Morven enlève le petit socle de Scarab avec ses bolters. Et là, on va avoir une salve de lance-flammes sur l'avion. On vous passe les jets de dés, on se retrouve juste ensuite. Les squads de lance-flammes enlèvent 3 PV supplémentaires sur l'avion. Il en a donc perdu 4 au total. Il lui reste 8 PV à cet animal. Continue la phase de tir. Les armures parangon vont envoyer un tir full là-dedans et 2 tirs full là-dedans. C'est parti. Ok, c'était efficace. J'ai perdu 4 easy mortels sur la manœuvre. Le dernier qui part dans l'octant. C'est parti. Les fuseurs, quelle couleur? C'était en noir. De toute façon, bon, voilà, c'est réglé. Ok. Et en du 7. Donc celui-ci c'est sur du 5, celui-ci le noir sur du 4, donc tu es bon. Je te commence par l'invue à 4 sur le fuseur. Oui, elle est tankée. Et ça c'est de la save à 4. Non, je prends donc un PV sur mon côté. D3 PV. D3 ? Ouais. Ah putain, c'est du vrai lance-grenade. Vas-y, D3. 3. Oh le coquin ! Et donc bim, voilà, j'ai perdu 5 PV au total sur mon temps, il lui en reste donc 4. La chanoinesse, ici, va charger ma petite barge, n'est-ce pas? Et ben, je vais l'Overwatch, hein. on va essayer de se la farcir, on va essayer de se la faire à l'Overwatch, il y a peu de chance, mais bon, avec un petit coup de chat, ça peut arriver. Donc c'est parti, d'autant que on emporte le vent. Ok, l'Overwatch de papa, ici, c'est sur du 6. C'est pas mal, sachant que ça proc 2 touches. Donc ici, ça passe ici, et là c'est un canon gonce qui passe. Donc on est là, en du 3 ouais. Non mais je ne blesse que sur, t'as une super transhumane. Donc je vais te blesser sur du 4+, exclusivement. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du... Elle a combien de PV la petite? 5+. C'est pas mal du tout. Je vais. Alors ta force, t'as en du 3 de toute façon. En du 3. Non mais y'a tout qui passe, je suis bête. Là y'a tout qui c'est sur du 2+. Non, elle a une physio. Ah oui, pardon. Oui, pardon, excuse-moi. Donc 7 PV. 7? Ouais, parce qu'elle est une relique. 7 PV et elle a une invue à 4. Invue à 4. Ok, et eh ben je vais utiliser un point de com et je vais tenter de te faire un 4 là-dessus. Oui, ça passe, monsieur. Vas-y, tu as ça de sauvegarde. Ça, c'est PA-2. Ça, c'est PA-3. Donc, t'es sur ton invue à 4, en fait. Et Sylvain utilise un dé de miracle de 5 pour caster la sauvegarde auto. Donc, la save est passée. Et ici, c'est parti. C'est de l'invue à 4 pour 2 flats nets. Elle prend 4 PV, la petite. Et elle peut venir réussir sa charge au corps à corps. Et c'est parti. Alors, au niveau de la phase de close, hein, Célestine est au corps à corps avec les Tomb Blades. La bonne vieille Chanoness au corps à corps avec la barge. Nos amis les Zephyrim avec l'avion. C'est plus les Zephyrim, je confonds les noms, je suis désolé. C'est Raphim. Et nos camarades, les Parangons avec les camarades Canoptech. Je me mélange un peu. Et donc c'est parti, on fait les taquets. Moi je vais pas utiliser 2 points de com pour interrompre, puisqu'il va forcément commencer par taper avec la canoines pour essayer de me tuer la barge. Et après les autres unités vont sans doute mourir. Donc on se retrouve pour les taquets de la barge une fois que tout sera fait. C'est parti pour les 5 attaques d'épée tronçonneuse. Sur du 2. Ok. Il n'y a pas d'os, c'est beau. C'est de la force. 3 ou 4? Force 3. Eh ben c'est sur du 6 pour me blesser, mon bon monsieur. Save. Il y en a une, il n'y a pas de PA. Ça y va 3. Monsieur, dame, c'est savé. La barge survit à 1 PV.
Et donc ici, je n'arrive à enlever qu'un seul PV sur... j'enlève deux, donc il lui reste deux PV à la petite. Ça c'est fait, hein, terminé, au niveau du corps à corps. Et ensuite, ici, donc, j'ai perdu au total 6 PV sur le châssis. Et là-bas, du côté du Ctan, j'ai complètement... Je me suis fait arracher, forcément, mon petit pack de spectres. Les deux motos Tomb Blades sont tombées ici et sont donc décédées. Et on arrive à la fin du tour 3 des Sœurs de Bataille. Donc fin du tour 3 côté des Sœurs de Bataille, Sylvain a utilisé du coup 3 dés de miracle sur son tour, il met donc 2 points et il tient son objectif sanctuaire, il met donc 3 points supplémentaires là-dessus. On est bon à ce niveau-là et du coup moi je vais réussir avec la survie de ma barge à 1 PV, je vais réussir à mettre 8 points de primaire au début de mon tour. Je vous propose qu'on passe immédiatement au tour 3 des Nécrons. Tour 3 côté Nécron, je mets 8 points de primaire puisque j'ai 2 objectifs. Je vais faire mes différentes aptitudes, récupérer mes métal vivants pour récupérer des PV à droite à gauche et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement pour savoir ce qui s'est passé sur le champ de bataille. Alors, phase de mouvement des Nécrons, globalement l'avion qui était revenu des FEP, il est venu se mettre ici, il est dans l'aura du roi, le roi qui a lui-même avancé pour venir rappeler 2-3 fondamentaux à nos amis qui se positionnent juste là. Notre amie qui est là à la barge à 2 PV, elle a désengagé, elle a senti que ça puait du cul de manière assez énervée. Les 3 petits gars qui étaient cachés derrière ont jailli tel des hiboux. Voilà pour ça. Ensuite, sur le côté là, j'ai sorti mes Scorpecs qui sont en 5+1 vue grâce au Chronomancer. Ils vont aller expliquer comment ça se passe avec nos camarades qui sont là. Le Ctan, lui, s'est décalé pour laisser passer. Le Ctan, il s'est mis de profil comme ça, tu sais. Allez-y les gars, c'est pas pour moi là. Donc le Ctan, il s'est mis de profil. Le petit guerrier, il a avancé pour se cacher là. Et on a l'autre avion qui est venu ici et qui va envoyer une petite salve là-dedans. Nonobstant le fait d'être heureux, ça m'amène globalement à la fin de ma phase de mouvement. Phase de Ctan, du coup, qui va être plutôt, je l'espère, plutôt sympathique. C'est la troisième de la partie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là-dedans, unité visible la plus proche, sur du 3+, ça fait 3 mortels, et sur du 6, ça fait des 3+3. Et ben, ça fait 3 mortels flat sur les parangons Warsuit. Ça, c'est good. Et ensuite, je vais choisir 3 unités à 24 pouces. Donc, je vais prendre cette unité-là, ici, donc là c'est tout sauf du 6 pour faire des 3 PV, ça fait 6 donc ça ne passe pas. Je vais prendre cette unité-ci. Ok, donc tu auras 3 fils no pain à faire ici, plus potentiellement, oui, plus un des 3 supplémentaires qui est 1, donc ça fait 4 fils no pain à faire pour eux. Et ensuite, dernière unité, c'est celle-ci sur du. Ils sont plus que 4, je crois. Ils sont 5, donc c'est bon, tout sauf un 6. Je fais des 3. Et ça fait 3 mortels sur cette unité-là. Donc ici, t'as 4 fill no pain. Ici, il y en a une à qui reste 1 PV, c'est ça? Ouais. Une à 1 PV. Ici, il en reste 2. Et après, là-bas, ça n'a rien fait. Je vais passer à ma phase de tir. Bon, ben là, globalement, hein, je vais envoyer des salves. Je vais essayer d'enlever le maximum d'unités. Ici, je vais utiliser un PC pour lui enlever sa sauvegarde de couvert et mettre full patate là-dedans. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de tir, voir ce que ça a donné. Donc fin de ma phase de tir, globalement ce qui s'est passé, j'ai réussi à enlever les 5 petites qui étaient là, qui fly. Morvenval est morte aussi, j'ai enlevé 3 novices et 2 dominions là-bas, ainsi que les petites aussi qui étaient ici, qui tenaient notamment son objectif sanctuaire, donc ça c'est pratique. Voilà, la phase de tir a été plutôt efficace, mais bon globalement c'était j'ai utilisé un point de com comme prévu pour lui faire sauter la sauvegarde de couvert pour éviter qu'il ait une sauvegarde à 2 sur mes tirs de Tesla. Voilà pour ça, on arrive à la fin de ma phase de tir. Je passe immédiatement à ma phase de corps à corps. Globalement ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer les Scorpecs là-bas, je vais envoyer du monde ici, je vais envoyer le roi. On y va, là on y va, on enfonce le clou. Alors c'est parti, déjà j'ai la charge, la première que je vais garder pour éventuellement un éventuel craquage, c'est ici, c'est une charge à 5. Donc c'est parti pour la charge à 5 sur... Est-ce que tu veux ouvrir? Oh, t'as plus de PC. Voilà, charge à 5. C'est bon, ça passe à 6. Donc je la ferai, je me positionnerai après, mais elle est validée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mes petits camarades ici qui vont charger dans la bonne sainte. Je vais charger la sainte. Ouais, on va charger que la sainte d'ailleurs. On charge la sainte. Allez, c'est parti. C'est une charge à 7. Eux, faut que je les place pour essayer de voir comment je vais me placer pour le roi. Donc là, je vais me placer et on se retrouve après. Ok, je me suis positionné tel quel et maintenant, on va faire une charge avec ce bon vieux roi silencieux. C'est parti, il me faut une belle charge.
4, ça ne passera pas. J'utilise un point de com et je vous la relance en live. Ça fait 7, je vais vérifier, je pense que ça passe. Je me positionne et on voit ça. Yes, et le roi s'est positionné. Donc le roi, il file un fight last, évidemment, à Célestine. Est-ce que tu veux faire une intervention héroïque avec ta petite Shannoness? Avec un PV? Oui. Non. Ok, donc pas d'intervention héroïque ici. Là, ça va taper en dernier. Du coup, je vais, d'ailleurs, je les ai pas positionnés. Je vais taper en premier, évidemment, avec mes Scorpec pour essayer de me farcir les petits parangons. Et d'ailleurs, évidemment, j'utilise mon plasma site. Je l'ai pas dit, mais il faut que je le fasse. Et donc, pour passer un plus un force et un plus une attaque. Et sur un as, j'ai une figurine qui meurt. Ça va, j'ai pas fait d'as. Du coup, j'ai le plus un force et plus une attaque. Je vais m'activer ici en first, je vais peel-in et envoyer la petite salve. On va voir à quel point ces villes palefreniers sont destroyers. Ok, donc ils sont 6 les petits gaziers. Ils ont 3 attaques sur leur profil et une pour ceux qui tapent avec les petites faux d'hyperphase. Donc ça fait 4 attaques, 3 pour les grosses. Et avec le plasma site, ça me permet de gagner 6 attaques au total. On est là-dessus. Je vais utiliser un PC, pour mon dernier PC, pour avoir le plus 1 en force. Ce qui va me permettre sur les faux de taper à force 7, force 8 grâce au plasma site, force 9 parce que je suis en protocole de plus 1 force, et force 10 puisque j'ai le plus 1 force avec le stratagème. Donc c'est parti, je touche sur du 2, reroll des as parce que je suis content. Et parce que c'est dans la data sheet en fait. Bim, bim. Et bim. Ok, on est sur une full touche. Et donc les blancs blessent à 3 et les noirs blessent à 2. Alors, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon, le G est insane. De toute façon, l'affaire est liée, je pense, pour les parents Warsuit. Tiens, déjà t'as ça. Et t'as ça. Alors, les noirs ici sont en PA moins 4. Donc t'as une save à 2 qui passe à 6. Passe à 5 du coup avec l'armure du mépris. Ouh, le G, il est énervé. Magnifique G de la part de Sylvain. C'est 3 flats qui passent à 2 du coup, puisque tu réduis les damage 1. Donc alors, ça fait. Celle-ci en tue une. Il y en a une qui passe, donc il fait 2 flats sur celle à qui restait un PV. Et t'as une autre armure qui prend 2 PV net. Donc PA moins 2, donc t'es sur du 4. Oh putain, si je les snipe pas, je suis deg. Et là, c'est du dégât 2, mais en fait, tu réduis les damage de 1, donc c'est pour 1 flat net. Eh ben écoute, ça en tue une à qui restait. C'est combien de PV? C'est 4 ou 5? 4 PV. Donc ça en tue une et ça en tue. Et ça tue l'autre. Ah. Tout rond, elles sont décédées. Si après, c'est... je pourrais faire un petit mouvement de 3 pouces pour avancer. Et après, on va venir de ce côté-là. Je vais activer en premier les destroyers qui sont là. Et c'est parti. Les destroyers, donc ici j'ai les attaques de... Je confonds les armes toujours. Le fauchon d'hyperphase, le petit, et ça c'est le gros. Sachant que sur les destroyers ophidiens, le gros, il proc des touches supplémentaires sur des 6. Donc c'est parti, je touche sur du 3+. Alors, il n'y a pas de 6 sur les grosses armes. Ça ne passe pas. Ok, et ça ne passe pas non plus. Et après, je vais blesser. Donc, celles-ci, elles sont à force 6 et force 5 et 2. Elles sont à force 7. Elles sont à force 7, donc c'est sur du 2, c'est ça hein? Ouais. Et celles-ci, elles sont à force 6, c'est sur du 2. Je touche blessure du 2 et j'ai la reroll, puisque je suis dans l'aura du roi. J'ai la reroll des blesses au corps à corps. Bah, écoute, hop, tac. Voilà, monsieur, vous avez tout ça sur la petite sainte, sachant que les noirs sont pour 3 flats et les blancs pour 2 flats. Pour l'invue à 4+, donc ça fait 3 et 2. Elle réduit les dégâts de 1, la sainte ? Ouais. Oh, la petite garce. Donc ça fait 2, 1 et 1. Ça fait 4. Elle prend que 4 dégâts. Il lui en reste 2, ce qui va me permettre d'activer le roi. Et le roi, il va t'expliquer un peu comment ça se passe. Et c'est parti pour les taquets du roi sur la sainte. Il reste après les 3 petites attaques qu'on va faire séparément. Donc je touche sur du 2, il n'y a pas de reroll. Et je blesse sur du 2. Et là je reroll parce que je suis roi et je suis base moi-même. Hop, il y a un troisième as ici. Tac. Ok monsieur, c'est tout, c'est sur ta 4+ invue. Il te reste 2 PV. Ok,
et donc évidemment le roi charcle la princesse qui ne peut plus revenir puisqu'elle est déjà revenue une fois, donc elle est décédée, et on précise en plus que Sylvain a utilisé un dé de miracle pour pouvoir activer ses points de secondaire évidemment. Ce qui globalement amène à la fin plus ou moins de mon tour. Je vais quand même faire mes mouvements de piline que j'ai pas fait, mes mouvements de conso, et je vous fais le débrief scoring. Précision, hein, parce que je l'ai pas fait en séquençage, mais les spectres au piline ont contacté la chanoinesse qui du coup peut s'activer et taper puisqu'elle est au corps à corps, et elle m'a enlevé 2 PV sur un destroyer. Là ici j'ai piline, mais rien de plus puisque j'ai voulu garder l'aura d'attention messière sur ma barge, et après là-bas j'ai avancé avec mes petits destroyers, ce qui nous amène globalement à la fin de mon tour. On fait le point au niveau scoring. Ok, donc fin de mon tour, globalement le roi a enlevé, a mis 3 points parce que j'ai enlevé les petites gonzesses qui étaient là au tir, et il remet 4 points parce qu'il a enlevé la sainte au corps à corps, donc ce qui fait que je mets 7 points, ce qui veut dire que j'ai capé ce secondaire là à 15. Ensuite je mets que 1 point sur le trésor des éons puisque je tiens que cet objectif là dans le No Man's Land, et je mets pas d'autres points sur les machineries anciens puisqu'il me reste plus que cet objectif là à valider. L'idée, et pour l'instant j'ai personne, mais vous avez bien compris qu'avec l'avancée des destros ça arrivera un petit peu plus tard. J'arrive donc à la fin de mon tour. Tu as utilisé combien de dés de fois sur mon tour là? 2. Donc tu remets 2 points. Tu vas bientôt arriver à 15 aussi. Ça y est. Ah oui, t'as 12, donc toi aussi tu captes ton secondaire à 12, et on passe au T4 côté sœur de bataille. Donc début du tour 4, donc je remets un PC, je marque 8 points de primaire et je gagne un dé de foi. Et j'ai plus rien à faire en recodant de ça. Alors fin de la phase de mouvement, on a la sacro-sainte qui est retournée sur son sol sacré pour rester jusqu'à la fin, hein, la prière de l'empereur. On va garder ce sol sacré. La dogmata qui est avancée pour aller faire des BM automatiques avec le petit PC que j'ai sauvé. Et le castigator qui va être tiré sur l'unité là-bas pour essayer de l'empêcher d'arriver, quoi. Donc ça va être fait. Et ici j'ai désengagé la chanoinesse et j'ai fait courir mes novices pour pouvoir contester l'objectif. Voilà. Ok, la petite dogmata envoie avec son PC Litany Auto et elle balance des 3 Mortal Wounds. Et ben ça en fait une, du coup je prends un PV sur mes destroyers, ce qui t'amène à ta phase de tir. Globalement t'as positionné le castigator pour envoyer là-dedans. Moi je vais faire comme toi, je vais utiliser mon dernier PC et je vais mettre moins 1 à la blesse sur cette unité-ci. Et on se retrouve une fois que le castigator a tiré, parce qu'après y a plus rien de toute façon, y a plus rien à faire. Le castigator, fort de ses pruneaux, m'a envoyé au tapis 2 destroyers Scorpec, bien joué. Si on a les petites Novissae qui, malgré qu'elles ont Advance, elles peuvent tirer, donc elles vont envoyer leurs petits tirs dans mes Destroyers Scorpec Ophidiens. Là, ça nous amène à la fin du T4 côté sœur de bataille. Bah, vous avez bien compris qu'il n'y a plus beaucoup d'unités du côté de Sylvain. Globalement, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai pas perdu d'unité, mais il a fait un joli jet d'Advance qui lui a permis de me subtiliser l'objectif. Intéressant de préciser qu'il était indispensable quand même dans sa manœuvre de désengager la Dogmata, parce que sinon, ça m'aurait permis de m'activer et de piline sur la trombine des petites, et clairement, les destroyers les auraient, je pense, découpés. Donc voilà, et ça mettait à mon primaire à 4. Donc ça c'est embêtant, et par contre Sylvain va mettre 3 points puisqu'il contrôle son objectif sanctuaire à la fin de son tour, et ça l'amène à la fin de son T4. On passe au T4 des Nécrons. Il se peut qu'il n'y ait plus grand chose du côté des sœurs à la fin du T4. Tour 4 des Nécrons, je prends que 4 points de primaire. Je me suis vraiment bien fait éteindre mes primaires pendant toute la partie, dur. On récupère 1 point de commandement chacun. Je vais donner mes petites auras, tout ça, et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Et au niveau du protocole, sur le tour 4, je suis encore une fois en plus 1 force. Tour 3 et tour 4, j'avais mis le plus 1 en force. Donc voilà. Allez, c'est parti. Globalement, ce qui se passe, c'est que le roi et ces petits menhirs se sont avancés pour venir défoncer ça et envoyer 2 gros pruneaux là-dedans. On a nos destroyers Scorpec qui ont fait une advance, les Ophidiens pardon, qui ont fait une advance de 4 et qui ont pu aller sur l'objectif. La barge qui a suivi derrière. Je rappelle que tout le monde a récupéré des PV hein, avec le métal hurlant. Et ensuite ici, on a le Khtan qui est sorti de derrière les conteneurs. Je rappelle qu'il vole. Il est venu se mettre là. Les Scorpec qui ont avancé, qui sont venus se mettre là. Et donc, voilà, on a fait globalement le tour de la manœuvre. Et j'ai aussi placé. J'ai un avion. Celui qui était là-bas était obligé de sortir.
et donc il a quitté le champ de bataille. Lui par contre il est venu se mettre là, et lui ce qu'il va faire c'est qu'il va utiliser le PC que j'ai récupéré pour enlever le couvert sur les petites qui sont là, et on va faire la même manœuvre qu'on avait fait là-bas, c'est-à-dire le dépopé de ses objectifs. L'idée est qu'il mette 0 points de primaire sur ce tour. Voilà. Unité visible la plus proche, c'est la petite Dogmata qui est ici. Allez, sur un 6, elle prend forfait. Non, 1, elle prend rien du tout. Du coup, ici, il me faut un As pour qu'elle prenne des 3. Non, bah du coup, j'ai fait l'inverse. C'est dommage, c'est vraiment con. Ensuite, il y a la petite ici, il me faut un As pour qu'elle prenne un truc aussi. Non, ça ne marche pas. Et après, bah, j'ai plus d'autres unités à 24 pouces. Donc voilà, le Khtan a fini sa phase de Khtan. Phase de tir, bon ben voilà, vous l'avez compris, hein, je vais essayer de salver tout ce que je peux salver. On se retrouve à la fin des pruneaux. Fin de ma phase de tir. Alors, notre ami le roi a salvé les petites qui étaient là. Avec ses deux menhirs, on a pété le Castigator. Notre ami qui est ici, eh ben, il a raté. Donc il a laissé une petite, elle aura un test de commandement. Et voilà. Et ensuite, là-bas, bah, rien de plus, j'avais pas de tir. Elle, elle a survécu aussi, elle a tanké notre ami la barge de commandement. Donc je vais arriver à ma phase de charge. Globalement, le roi va charger sur la petite. C'est parti. Oui, c'est bon, ça passe. Et ensuite, ici, les destros qui sont là vont charger... je vais charger la Dogmata pour m'assurer en fait de réussir ma charge, parce que j'ai pas de point de com pour la reroll. Mais en fait, je vais faire l'essuie-glace et je vais venir mettre deux socles sur cet objectif-là. Donc voilà, c'est deux charges auto. Mais celle-ci, je vais la faire quand même, celle des destroyers. C'est important au niveau du placement. C'est une charge à 5. Bah, heureusement que j'ai... peut-être qu'elle passait, mais bon, c'est pas grave. Et le Khtan... Ok, à 5 aussi. Donc tout le monde dans la Dogmata. Et ici, on s'empale ici. Donc il n'y a plus de PC hein, d'un côté comme de l'autre, donc là bah, je peux taper sereinement. Notre ami le roi silencieux va envoyer ses salves là-dedans. Bon, la petite est morte, on s'en doutait. Ensuite je vais activer mon petit Khtan qui est juste ici. Il saigne la Dogmata, ce qui va me permettre avec les destros de piline et d'aller... je vais aller engluer la petite qui est juste là-bas et clôturer mon tour là-dessus. Ok, fin du tour 4 côté Necron. Bah, globalement, il reste une sœur ici et une sœur là-bas. C'est comme ça. Donc du coup, je mets 5 points puisque je tiens les 3 objectifs dans le centre du champ de bataille. Il me restera une action à faire, mais je la ferai sur mon tour 5 sur cet objectif-là. Et puis bah, au primaire, malheureusement, je suis un peu à la ramasse. Je mettrai mes 12 points de primaire à la fin de mon tour. J'ai pas réussi à lui enlever ses 4 points de primaire, à lui nuler complètement. Donc il va quand même mettre 4 points de primaire ici. Et après, bah, là, du côté de Sylvain au tour 5, bah, y a rien de plus à faire. Il peut pas reprendre cet objectif là pour mettre son sanctuaire, donc il sera capé à 12. L'objectif d'aider de fois, il l'a déjà capé à 12, et après il lui reste l'objectif d'action, il ne peut pas le faire non plus. Donc en gros, le tour 5 de Sylvain s'arrête là-dessus, quoi. Voilà, la fin du tour 4 côté Necron, le début de tour 5, donc il met 4 points et en gros la partie s'arrête pour Sylvain, il a plus d'action à faire, ce qui me permet moi dans la foulée de basculer sur mon tour 5. Je vous fais la phase de mouvement du T5 qui va consister à prendre les objectifs et à surtout faire des actions de bombes, à poser des bombes à la fin de mes phases de mouvement pour essayer de maximiser mes primaires et mon retard aux primaires. Donc fin de phase de mouvement côté Necron, bon globalement c'est simple, hein, on va pas s'embêter à faire les tirs. Cet avion là il est je l'ai pas fait pivoter, mais il peut pivoter et il peut venir se positionner là. Hop, ça arrache les décors, on est sur la fin de partie. Ici, bah, lui, il va prendre la salle, donc lui pourra mourir. Lui, à la limite, on s'en tamponne, il restera en vie. Comme ça, Sylvain pourra dire qu'il s'est pas fait table rasée. Ça, c'est stylé. C'est important. C'est important. Là-bas, mon pack de destroyers fait l'action sur le dernier objectif que je n'ai pas fait. Et mon pack de guerriers ophidiens va placer une bombe. Je ne peux malheureusement mettre qu'une seule bombe à la par tour. Donc, les anciennes machineries, j'ai des confonds les deux, c'est relou. Ancienne machinerie ici, ce qui me permet de mettre 4 points et de caper le secondaire à 12. Et ensuite, je vais avoir 3 objectifs du centre, ce qui me permet de mettre 5 points, du coup, de caper Trésor des Éons à 15. Et enfin, je vais mettre 12 points de primaire à la fin de mon tour, puisque j'ai tous les autres 4 objectifs et plus que mon adversaire. Et je rajouterai en plus 4 points de bombe qui ont été posés là, ce qui fait que je mets 16 points de primaire à la fin de mon tour. Ce qui nous amène à un score final que vous verrez s'afficher. Et on passe immédiatement au débrief de la partie. Donc le petit tableau de score à la fin, hein, la ligne de Sylvain des Sœurs de Bataille et la ligne des Necrons ici. On finit sur un 74-51. On a galéré au niveau des primaires, mais on va faire le point de suite. On se retrouve immédiatement pour le debriefing.
Ça y est les amis, on arrive à la fin et au débriefing de cette partie. D'ores et déjà Sylvain, merci à toi d'être venu. Ah bah merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. Franchement c'est toujours super agréable et toujours une bonne ambiance. On rigole bien. On rigole bien. On galère bien aussi parce qu'il faut beaucoup réfléchir, on a fort mal à la tête après. Ouais. Franchement c'est que du bonheur. Mais c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on aime. Ouais. On finit cette partie avec une victoire des Nécrons, 74 à 51. Joli score pour les sœurs de bataille. J'ai fait exprès de faire 51 pour savoir que c'est l'été. Il fait chaud. De toute façon, tu m'as dit c'est soit 51, soit 69. C'était un des deux scores au choix. Bon, ben voilà, c'est 51. Du coup, la partie était assez intéressante. Moi, ça m'a permis, hein, comme j'ai dit en préambule de la vidéo, de tester la liste que j'aimerais bien amener au WTC. C'est la version que j'essaie d'améliorer. Il y a pour moi des axes d'amélioration sur la liste. Et ça, vraiment, ça se ressent au niveau du scoring parce que tu me mets grave en difficulté sur les primaires. Tu me nulles systématiquement mes primaires. Le problème, c'est que je vais chercher les primaires avec mes petites unités qui font le scoring de secondaire, les petites araignées, les petites mécanoptères, les petites motos, mais elles sortent très vite. Et ça, du coup, c'est hyper handicapant parce que parce qu'en fait, tu me pètes mon primaire et ça se sent au niveau du score. Alors, ce qui est intéressant dans la liste que je t'ai jouée, c'est que j'ai voulu, en contrepartie d'avoir des unités qui scorent au secondaire et qui meurent vite, avoir une véritable létalité avec des unités résistantes, notamment les deux avions, la barge, le roi, évidemment. Donc voilà, et ça s'est senti sur la deuxième phase de la partie où là, j'ai pu remonter, où j'ai pu dérouler. Mais voilà, c'était très, très cool. La liste aussi, Sista, me paraît vraiment pas facile à manier. Ça semble nécessiter du doigté. Ouais. Je t'ai vu, on ne voit pas la caméra, mais tu t'es vraiment retourné le cerveau hein, pendant les phases de mouvement. Comment tu as ressenti la partie de ton côté? Alors moi, ce qui m'a fait défaut pour mes secondaires, c'est vraiment le fait que mes troupes ne sont pas objectifs sécures. Donc ce qui fait que moi, pour faire le secondaire des actions sacrées, c'est super compliqué parce que dès que j'arrive sur l'objectif, non seulement il faut que je tienne un tour, mais en plus, dès que tu viens avec une unité qui, toi, est objectif sécure, c'est foutu. Ouais. Donc ça, il faut que j'arrive à améliorer mon gameplay là-dessus. C'est vraiment… Je pense que tu aurais pu, avec la Dogmata et le pack de 10, les Zephyrim. Ouais. Je les confonds toutes, je les appelle toutes Zephyrim. Ouais. Les Zephyrim, avec le pack de 10 Zephyrim et la Dogmata, tu aurais potentiellement pu aller au centre. C'est ça. Pour choper le centre, mais ouais, effectivement, donc c'est le jeu quoi. Hein ouais. Yes. On a vu des séquences assez sympathiques. Le Castigator a fait le taf aussi. Moi, j'ai trouvé qu'il a. Bien content. Le Castigator, il déconne pas. Bonne portée. Dès que tu trouves les lignes de vue, après, ça fait le pâté, hein, ça. Et les parangons aussi. Hein. Franchement, les parangons, depuis l'armure du mépris, je les ai beaucoup plus ressortis. Et à chaque fois, c'est elles qui me font le game en fait. Hein. Donc, Là, on s'est un peu sur ce flanc-là, on s'est vraiment nullé parce qu'en fait, t'as mis tes parangons, j'ai mis mon Ctan, et ils se sont un peu regardés de loin comme ça, ils se sont dit, on le sent pas. Et moi, après, j'ai grappillé le terrain avec mes Scorpecs à la fin, mais c'est vrai qu'on a fait trois tours où on s'est regardé dans le blanc des yeux de ce flanc-là de la partie. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous a plu. Vous nous retrouvez le 29, 30 et 31 juillet en live sur Creative Wargame pour le Creative Wargame Championship 3. Je serai aussi présent au championnat du monde solo. J'y vais pas pour performer parce que j'ai bien conscience que j'ai pas un niveau de jeu digne des gros players qui traînent hard pendant toute l'année. Mais on va essayer d'aller s'amuser avec ce codex Necron qui, tenons-le pour dit, n'est pas hyper compliqué à jouer. Dans la micro, il est hyper intéressant pour le coup. J'arrive, à mon sens, toujours pas à bien synergiser les protocoles et tout. Il y a encore des choses que je maîtrise pas, que j'arrive pas vraiment à anticiper et à cadrer, parce que je connais pas, j'arrive pas encore à bien comprendre toutes les mécaniques de micro de ce codex-là. Mais bon, ça commence à venir. Donc j'irai au Championship 3 en Necron, ce sera moi le joueur Necron du tournoi. Et en plus, j'irai au Worlds en solo en Necron. Puis on verra bien, advienne que pourra. On y va de toute façon en priorité pour s'amuser. Donc voilà, je vous rappelle, vous avez les liens d'affiliation dans la description, les amis. Si vous voulez soutenir Creative Wargame, ça se passe sur le Tipeee. C'est dans la description aussi. Et on a fait le tour. Pensez à éclater le petit compteur de pouces bleus, à laisser des commentaires. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Merci Sylvain. Merci à toi. À bientôt. C'est l'heure de guerre. Ciao, ciao.